Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours très bien, en fait ça va super. Pourquoi ça va super d'après vous? Parce que je vais récupérer une récompense déjà pour une mission de la confrérie noire. Et aussi parce que du coup ça veut dire du loot, encore du loot, toujours du loot. Vous connaissez la chanson maintenant? Voilà, donc du coup ma récompense se trouve là-bas. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur le quai de la cité impériale pour commencer. Et au lieu de s'embêter à passer par les chemins, on va utiliser un item que j'ai utilisé très rarement. Qu'est-ce que tu me veux, toi? M'approche pas. Dépêchez-vous de lire le dernier courrier du cheval noir. On s'en branle! Bref. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais foncer droit devant moi avec un petit collier que vous connaissez bien, que j'ai dans mon inventaire juste là et que j'ai toujours gardé justement pour ce genre de moment. Le collier de marche sur l'eau, quoi, tout simplement. Après, celui-là, c'est pour respirer sans arrêt dans l'eau. Mais lui, c'est carrément pour marcher dessus. Et du coup, tada! Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire, toi, là-bas, avec ton courrier du cheval noir, là? Tu vas pas me suivre, hein? Après, je peux pas plonger, hein. Ah, si, je peux plonger. Après, je t'ai persuadé que non. Oh, ça va, alors. En fait, si je veux être invincible sur l'eau et j'arrête Aquaman, il faut que j'ai les deux amulettes combinées. Malheureusement, c'est pas possible. Donc ma récompense se trouve sous le vieux pont. Le vieux pont est juste en face, si je me plante pas. Il est là, le vieux pont. Alors, à gauche ou à droite? Apparemment, ça va être vers la gauche, d'après la boussole. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hop là! Esquive. Ah! Vous avez vu? Il y a une caisse. Allez, voyons voir ce qui nous attend dedans. Boîte pourrie. 500 d'or comme d'habitude et les ordres de mort number 4. J'ai obtenu ma récompense et j'ai pris connaissance de la mission suivante. Justice finale. Ah, les pompiers arrivent pour me récupérer. J'ai trouvé ma prochaine mission sous le vieux pont. J'ai pour ordre de tuer une chasseresse argonienne du nom de Chalise. Elle se cache dans une mine inondée. C'est une psychopathe recherchée, la prudence s'impose. Ouais, écoute, moi je suis encore plus psychopathe qu'elle, donc du coup je pense qu'on va bien s'entendre. Donc si je sors pas avec elle, je la bute. Dans tous les cas, je serai content. Alors, tout apparemment c'est par là. Est-ce que c'est loin? D'ailleurs, au niveau du poids, ah, mais ça va, j'ai de la marge. Par contre, je pense que j'aurais quand même besoin d'une petite réparation. Parce que là, vous voyez, je commence à. Normalement, je devrais porter quasiment 500, je crois, en poids. Et en armure, je devrais être à 55. Donc il va falloir que je dépense encore quelques piécettes pour réparer un petit peu et enlever les pets de la carrosserie, j'ai envie de dire. Mais aussi, il va falloir peut-être que je pense à vendre tout le loot que j'ai récupéré ces derniers épisodes. Ce qui va nous prendre un certain moment, je vous le cache pas. Mais une fois que ce sera fait, au moins, niveau thune, ça sera plus un souci, je crois. Hein. On sera dans le tour des 40-50 000, peut-être. Si je ne m'avance pas trop. Oula. Ça a l'air d'être loin. Non, c'est pas possible. C'est là? J'ai pas encore trouvé l'endroit. Hey, attends. Une porte vers Oblivion. T'inquiète, ma jolie, j'arrive. Voilà, donc les portes d'Oblivion sont toujours fermées. Ça, c'est une bonne chose. Allez, mon cheval. dada. Allez, hop, go. Manquerait plus qu'on ait une mauvaise surprise. Tant que j'ai pas un ogre qui me court derrière ou toute autre pourriture de ce genre. Ou un ours. J'aime pas les ours. Depuis le temps, vous le savez maintenant. Ah, voilà. Elle est là, la mine inondée. Là-bas, on a un petit temple. On va jeter un petit coup d'œil au temple avant de venir. À la mine inondée, on va sortir l'épée quand même parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Vous voyez, genre ce truc là-bas, là. C'était quoi qui était marqué? Attendez. Poursuivez votre pénitence afin d'obtenir le pardon des dieux. Allez, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça veut dire que j'ai une prime sur ma gueule. C'est pas possible, normalement. Bah non. Ok. Peut-être qu'en fait, non, faut juste que. Poursuivre votre pénitence, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de se faire pardonner, non? Bizarre cette histoire. Bon, allez! Toc toc toc! J'ai vu de la lumière alors je suis rentré, hein. Oula! Ah oui, non, effectivement, il n'y a pas de lumière là-dedans. Il y a quelqu'un? On peut peut-être penser à fermer le robinet, hein. Je dis ça, je dis rien. Comme vous voulez. D'ailleurs, je pourrais marcher sur l'eau, moi, tant que j'y pense. Ah bah ouais. Bon, là, du coup, c'est un peu mort, mais...
Ah mais non, vous avez pas le droit de faire ça. Des chemins qui se séparent quoi. Toujours pareil, mais le problème c'est que là du coup c'est dans une grotte. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, un coffre. Est-ce que ça va me faire changer d'avis? 53 d'or. Allez, je prends. Par contre, on va faire une chose avant, on va pas se faire avoir. Vu que ça a l'air d'être un truc bien casse-couille et qu'il va falloir respirer sous l'eau, on va enlever le collier de marche sur l'eau, on va mettre le collier de respiration aquatique. Et voilà, problème réglé. Allez, c'est parti. La suite. Ouais mais non, il y a un truc qui m'intrigue. Là, attendez, je suis arrivé dans la salle qui est ici. Ok. On va aller voir l'autre couloir qu'il y avait là-bas au fond à droite là. Il y a peut-être des choses à aller récupérer là-dedans avant de rejoindre notre cible. Mais là encore, c'est plein de passages. Pour mon plus grand déplaisir, j'aime pas quand on commence à se perdre dans une grotte. Ah, sauf quand on coupe des... sauf quand on trouve des coffres. Allez, l'équivalent 100 pièces d'or récupérées. Pas mal. Oh là là, le bordel. C'est pas le camp de la meuf, ça. Bon, en tout cas, on a accès à des caisses. Il n'y a pas un petit coffre dans le coin, non. Là, on a rien d'intéressant. On a une caisse derrière. Mais rien d'intéressant dedans. Donc on est tombé peut-être sur les quartiers de Mademoiselle. Mais du coup, où est-ce que elle est? Ah, on arrive de l'autre côté. Dans tous les cas, ça nous mène à un seul et même endroit en fait. Ok, donc là si je remonte en haut en fait. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah non, tu peux pas m'avoir détecté, c'est impossible. Je suis sous l'eau, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais elle est dans l'eau, elle aussi. Ah ouais. C'était pas prévu un combat sous l'eau. Qu'est-ce que t'as? Épée glacier, épée longue glacier. Intéressant. Brassard de cuir, on s'en branle. Cuirasse de verre. Oh oui. Jambière d'elfe et 3 en or. Et là. Oh! Il y a une épée qui est tombée. Chalice est morte. Ma récompense et ma prochaine mission se trouvent dans le cercueil situé à l'extérieur des ruines de Forum Rouge. C'est quoi l'épée? Épée courte éclair. 2054. What? Attendez, faut que je vois ce qu'elle fait. Épée courte éclair. Ah ouais! Là c'est du bon loot. Et attendez, parce qu'on n'est pas monté à... On n'est pas monté en haut, hein. Il y a peut-être du loot à. À récupérer. Allez, monte. Cherchons un coffre, là-bas j'en ai repéré un. Voilà, regardez là, il y en a un juste ici. Un coffre en difficile. Allez, je sens le bon loot dedans. Collier de joyaux. Et 353 pièces d'or. Ah ben voilà! Ça paye mine de rien. Une petite mission avec du loot sympa. Deux armes magiques intéressantes. Des pièces d'armure intéressantes. Et bien entendu, du fric. Ça franchement. C'est bon. Enfin, ça franchement, c'est plutôt un bilan positif. Du coup, on a fait une nouvelle quête. On va sortir d'ici. Ben. Oui. Ah ben non, ça sert plus à rien. Bon, bah écoutez, on va sortir de là. Si j'arrive à me rappeler par où on sort. On va passer par là, ouais. Je crois que c'est. De toute façon, les deux chemins mènent à la sortie. Il y a juste un rush, j'ai envie de dire. Si je me plante pas d'endroit, c'est là-bas, je crois. Ouais, ça a l'air d'être ça. J'avais tout vérifié ici, quand même, on est d'accord. Ouais, ça a l'air. Ah, je suis passé dans le passage. Ah, voilà, il est là. Toujours pas de coffre que j'aurais potentiellement raté. Non, bon, bah tant mieux. Allez, on sort d'ici. Ben voilà, une petite mission qu'on a menée à son terme. Ah, la petite épée, elle est bien classe quand même. Alors, du coup,
Ça serait par là le. Ah, c'est là-bas. On n'est toujours pas allé. Par contre, le sanctuaire de Nocturne est allé. Donc, on va aller le récupérer vite fait. On connaît la suite des récompenses, hein, 500 pièces d'or. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là. 500 pièces d'or. Et est-ce qu'on prend le cheval pour y aller? Non, c'est pas la peine. Allez, repose-toi, mon cheval. Tu as fait du bon boulot ces derniers jours. Je suis fier de toi. De toute façon, on y est presque. On est. Ah, oui, d'accord, ça va aller très vite en fait. En 30 secondes, on y est. C'est pas plus mal là, franchement, vous voyez, je m'imagine dans le jeu avec un petit air frais, quoique un peu lourd à cause de l'orage, et une petite bruine qui tombe très légère, mais tellement rafraîchissante, vous voyez. Rien que d'imaginer ça, ça me fait rêver. Alors, du coup, apparemment, il y a un ennemi autour de moi. Il y a un camp là-bas. Bon, on ira voir le camp après. D'abord, on a du monde qui nous attend là, je crois. Du sang ici. On va essayer de monter tout en haut. Ah, salut. Oh, bah encore plus de loot du coup. Pourquoi tu descends? C'est ici que ça se passe. Arrête de t'enfuir. Comment ça, je porte trop de charge? C'est quoi cette arnaque? La forge d'être des trucs. Bah genre ça. Ah mais ça coûte, ça fait trop en poids. C'est pas ça qui va me. Qu'est-ce que je peux dégager? Ah si, bah si, il y a un truc que je peux dégager. Ça me fait chier, mais bon. Ah non, bah on me l'a récupéré. C'était la grosse. Comment s'appelle? La grosse masse d'argent là. Vous vous souvenez d'un épisode où je devais tuer Kaelia et que derrière j'avais fouillé le château? Voilà. Du coup, là, ce qui me casse les couilles, c'est que je suis un peu plein en fait. Et pour pas grand chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui me prend de la place? Ça, on va le boire. Tant qu'à faire. Dents d'ogre, ça fait 6 de poids. Pour 75, on va les dégager. Toi, tu me déranges pas pendant que je trie mon loot, merci. Allez, il nous faut enlever encore 11. Qu'est-ce qu'on peut jeter là-dedans? Bah, le bouquin de l'aube mythique, hein. De toute façon, on en a plus besoin maintenant du bouquin de l'aube mythique. Je vérifie qu'il n'y a pas les choses dont on puisse se débarrasser avant. Genre le bouquin de l'arrière-garde, vous voyez? Voilà. J'ai aucun respect pour la nature, j'ai carrément mes détritus en plein milieu, tu sais. On a quoi d'autre? Tactique d'unité de combat mixte, voilà. Toutes les clés, ça pèse 0. Les gemmes, ça pèse un peu de poids, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. Les crochets, ça pèse 0, faudra quand même qu'on s'en débarrasse. Et après, écoute, on a fait le tour, donc on va se débarrasser de ce bouquin-là aussi. Il est où? Là. Ça me fait un peu chier, mais bon, 100 pièces d'or, le machin. Allez, plus que 2 de points à enlever. On va mettre connaissance sur Tamriel en moins. Voilà. Et on va mettre... Ah, la femme de chambre argonienne. Ah oui, bah oui, ce bouquin-là, il peut partir. Je porte toujours trop de charge, pourtant. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, on va se boire un petit cognac sirop d'Iling. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Et ah, oh non. Vous avez vu le fail que je viens de faire? J'ai bu le cognac et j'avais même pas fait gaffe que le premier effet, c'était une réduction de force. Du coup, bah, j'ai encore diminué la force que je peux avoir sur moi. Heureusement que c'est vraiment que temporaire. Bon, ça laisse le temps à l'autre Vazard de s'approcher pour essayer de me niquer dans le dos là. Allez, approche-toi. Plus vite que ça. Au revoir. Voilà. Et du coup, dans quelques instants, tout ira pour le mieux. J'espère. Pas de mauvaise surprise, hein, le jeu, attention.
Ah, voilà. On va quand même regarder ce qu'il y a en haut, puisqu'il y a l'air d'y avoir des choses. Et puis je sais pas c'est quoi ça, c'est des poissons qu'on voit là dans la flotte. Mais je suis sûr que je vais encore devoir faire des choix d'ici peu, parce que c'est un coup à tomber sur du... Ah oui, d'accord. Bon, il n'y a que des os dessus. C'est un coup à tomber sur un petit coffre avec du loot dedans, tu sais, et puis d'un seul coup, bah forcément devoir récupérer ce qu'il y a dedans pour pas trop perdre de loot et... Ben voilà. À droite, le petit coffre. Bon, ça va. Il va être décroché. Ah bah non, j'ai rien dit, là, il y a un autre coffre. Putain. Allez hop, on y va. Il y a même une boîte à bijoux. Me dites pas que je porte trop de poids, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre ici? Ok, donc on va encore boire une petite potion. Hop. On va prendre une ça, on va prendre une faible potion de bouclier de... Ouais, voilà, des trucs comme ça qui vont diminuer un petit peu le poids. Qui rapporte pas grand-chose. Ah bah, ok, d'accord, problème réglé. Je peux plus boire plus. Bon, allez, du coup, je suis censé aller à côté d'un cercueil. Et c'est dans ce cercueil que je trouverai ma récompense. Donc ça serait en bas. Quoi, faut que je rentre dedans? Ah non, il est là le cercueil. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais en tout cas, il y a eu du carnage. Alors, le cercueil. Programme d'Alva Luvani. C'est notre prochaine cible, ça. Et 500 pièces d'or. Ok. Donc on va prendre ça et ça. J'ai obtenu ma récompense et j'ai pris connaissance de la mission suivante. Une affaire d'honneur. Ok, donc c'est bien Alva Luvani ma cible. J'ai trouvé ma prochaine mission dans le cercueil à l'extérieur de Farum Rouge. J'ai pour ordre de tuer Alva Luvani, un marchand. C'est avec un D ou avec un T? Un marchand, je crois que c'est avec un D, hein, parce qu'on dit marchandé, hein. Un marchand elfe noir qui passe son temps à voyager dans Cyrodiil. C'est un elfe noir, je peux pas tuer un collègue. Je devrais consulter le programme qu'on m'a laissé pour savoir quand et où je peux frapper. Uvani connaît parfaitement la magie de destruction. S'il a déjà tué auparavant, il a aussi quelques points. Pardon. Il a aussi quelques points faibles. Si Uvani boit de l'hydromel, il devient immobile car il souffre d'une rare allergie au miel. D'accord, ok, ça c'est très intéressant. Mais en fait, je vais pas utiliser ça pour le buter, hein. Moi je vais aller comme un bourrin, vous me connaissez maintenant. Est-ce qu'il y a un truc sous l'escalier? Parfois il y a des choses sous l'escalier. Il y a de la dernière route, allez hop. Et on a affaire à quel paysage ici? On a de la dernière route là-bas aussi, je vais vite aller la récupérer. Et vous savez quoi? On va vite déposer le loot que j'ai sur moi. Voilà. Tac, une petite sauvegarde. Et on va revenir ici pour aller checker vite fait le camp là qui est là-bas. Vous voyez là avec les flammes là? Donc, du coup, ce qu'on va faire, hop, petite map, on va aller à la cité impériale. À la baraque, pour être plus précis. On va se vider à fond tout le loot et tout. On va vite aller checker le camp. Ensuite, on va se réparer un petit peu. Et je pense que ça sera pour le prochain épisode, la fameuse mission. C'est quoi ce temps-là ultra sombre, là? J'aime bien quand c'est légèrement orageux et qu'il y a un peu de la grisaille et de la bruine, mais faut pas exagérer non plus, hein. Là, il pleut comme vache qui pisse, hein. Et on n'y voit pas mieux que dans le cul d'une poule. Alors, on va se vider. Putain, le nombre d'arcs que j'ai, quoi. Ça me fait chier de me séparer de tout ça. Dague d'ébène. Bah, je garde. Dague du glacier, je peux du coup pour l'instant la virer. L'épine de douleur, je peux la virer aussi. Celle-là, je vais la garder. L'épée d'incendie courte, je vais la garder et elle aussi. L'épée longue glacier. Je vais garder. Ça, je vais la. Enfin, je vais la, pas la jeter, mais je vais juste la poser. Ok. Ensuite, on a quoi à enlever? On a ça. On a ça. On a l'anneau d'ébène émeraude, effectivement. Le bandeau noir, je garde. Le bouclier d'elfe, ça dégage. Ensuite, le collier de joyau aussi. Les deux cuirasses d'elfe, ça dégage. La cuirasse de verre aussi. Les jambières de verre aussi. Ah, il y a encore des choses que je peux poser là. Hein. De toute façon, je vais pas trop avoir le choix. Ah putain, ça m'énerve. On va poser l'épée courte incendie. De toute façon. Ouais, on va poser l'épée courte. Voilà, l'épée courte incendie. Et du coup. Bah, tranche flamme en fait ne me sert strictement à rien.
Donc pour l'instant, je peux la poser. Même si elle a énormément de charge, on est d'accord, hein, mais de toute façon, pour la charger, il me faudra une gemme ou deux ou trois grandes gemmes et je les ai pas sous la main actuellement. Donc on va vider encore un petit peu le stuff. Et sinon, on va garder une arme magique chargée pleine. L'épée longue ici. Ce qui me fait chier, c'est le poids. On va garder celle-là. La dague d'ébène est quand même pas mal. Hein. 17 de dégâts et la lame de malheur fait que 7 de dégâts. La lame de malheur coûte 0. La dague de gel. Du coup, on va la poser. Bon, c'est déjà mieux en tout cas. Allez, on va pas non plus tergiverser un milliard d'années. On va juste aller nettoyer le petit camp comme prévu. Donc nous, c'était pas là. C'était où déjà nous? Voilà, Forum Rouge. Et une fois qu'on est là-bas, le petit camp qui se trouve ici. Voilà. Allez, on prépare notre épée magique. Et c'est parti. Normalement, il va y avoir du fight. Et je l'espère, du loot à la clé. Normalement, tous ces camps-là, c'est des camps de bandits. Rock du pêcheur. Personne ne m'attaque? Attention, hein, j'ai besoin de taper, moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques vêtements. Ah, un petit peu d'or. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui vient à ma rencontre, même pas pour me taper dessus? Ouh, là, je vais être déçu, moi. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, si j'ai pas ma dose de fight et ma dose de loot avant la fin de la vidéo, ça va pas le faire. Hein. Je vais prendre n'importe qui passera à côté et je vais défoncer sa grande gueule. Mais apparemment, ici, il y a tout le monde qui est mort. Allez-moi ça. Personne vient à ma rencontre, je détecte personne. La seule chose que je vois, c'est la nande route. Ah non, moi je vous ai promis du fight, il va y avoir du fight. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va vérifier s'il n'y a pas un petit camp. Qu'on peut manger chien noir. Mais de toute façon, je l'ai déjà découvert, donc j'ai déjà fight. Est-ce qu'il y a un camp que j'ai détecté, mais auquel je ne suis pas allé? Il doit y en avoir. Non, ça je l'ai détecté. Ça forcément, voilà, je l'ai détecté aussi. J'y suis allé même. Du coup, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va aller campement vue sur la vallée. On va voir s'il y a quelqu'un, s'il y a personne. Bah écoutez, ça sera pour le prochain épisode. Je crois qu'on va faire vite fait le tour des 2, 3. D'accord, ok. What the fuck, touchez pas mon cheval! Mais touchez pas mon cheval! Touche pas mon cheval! Touche pas mon cheval! Mais touche pas mon cheval! Voilà, écrase-le! C'est bien. Par contre, t'as pris du dégât. Pourquoi t'as touché à mon cheval? Espèce de bâtard! Non mais oh! Je te permets pas, oui! Mais il a vrillé. Et toi, t'avais quoi? Une autre hache d'armes en verre. Du stuff d'elfe décroché, on s'en fout décroché. Ah bah vous savez quoi? Oula, ouais d'accord, ok. 23 minutes 57. Allez, on fait un aller-retour express à la maison pour peser ça. Et on revient et on refait un deuxième camp. Vous savez quoi? Là je suis en colère. Ils ont osé toucher à mon cheval. Ça, j'accepte pas. Moi je suis énervé là. Vous avez vu ça? Les lâches, ils étaient deux, hein. Au lieu de se mettre à deux sur moi, non, non. Il y en a, il me bloquait le passage et tout pendant que l'autre, il est en train de s'attaquer à mon canasson, là. De toute façon, je l'ai dit. Pour moi, dans le jeu, il y a deux trucs sacrés. Mon loot, donc l'or, tout ce que je chope et tout, et mon cheval. Tu touches pas à mon putain de cheval. Si tu touches à mon cheval, je te nique ta race. Alors, qu'est-ce qu'il y avait déposé ici? Les bottes d'elfe, tout le stuff d'elfe. En fait, il y a tellement de trucs à vendre, c'est un truc de malade. Je vais faire, je sais pas combien d'allers-retours la prochaine fois que je voudrais. Me faire du fric. Donc là, on a fait laquelle? On a fait. Attendez, que je me souvienne. Au niveau des camps, on était là. Ok. Donc, on a fait. Ah, le campement d'Annie, on n'a pas fait. Nous, on a vu le campement. Ouais, on a fait le campement vu sur la vallée. Donc, on va aller au campement de Dany. Danny, Danny, ou oh Danny, ou Danny, et salut toi! Mâche bandit. Maudit rat,
Non mais t'as cru que te mettre invisible ça t'aiderait? Dague en verre, grand bâton de séparation, ce qui me sert strictement à que dalle. En plus ça vaut que dalle. Et des bottes de mithril. Même pas une petite robin. Ah là peut-être il y a quelque chose d'intéressant. Ah là j'ai perdu le contrôle. Hein. On touche pas à mon cheval, le cheval c'est sacré. Pour la peine vous allez payer le prix fort. Bon bah vu que lui on l'a fait et qu'il avait que de balance stuff, qu'on avait ce camp là, on a fait ce camp là. On a fait lequel de camp là? Bah il y en a pas. Est-ce qu'il y en a un ici? Non. Ils sont où les autres de camp? Il y en a vers là-bas là. Le campement chien noir on va faire. Et après je crois qu'on aura fait le tour des quelques camps que j'avais découvert. Il est où le campement chien noir? Il est là. Allez, c'est parti. Non! Toi, c'est pas mon cheval qui t'attaque, c'est moi qui t'attaque. Voilà. Ça, c'est bon, c'est récupéré. Et ben voilà! Encore du stuff de malade qui va rentrer dans les caisses. Pas de petit coffre? Pas de petit coffre. Et ça, c'est bien dommage. Ah, là-bas. Ah non, il n'y avait pas de coffre, je me souviens de cet endroit-là. Il n'y avait que dalle en loot, mis à part la personne que j'avais attaqué. Bon, bah écoutez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Que ça serve de leçon à tous ces bandits. On n'attaque pas mon cheval. Et là franchement ils ont osé le faire. Bon heureusement il a repris tous ses points de vie. Et je l'ai bien défendu, j'ai fait mon boulot. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et moi tout ce que je vous dis c'est à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez c'était Looping, ciao tout le monde, bye bye.